On peut pas laisser Lys s'échapper. Je dois retrouver cette berline. Hey, toi, la menace masquée. Mon frère possède plus vite. Doc a laissé un message. Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inestimable. J'aimerais que tu puisses voir ses conséquences. Mais je commence à réaliser à quel point les forces qui s'opposent aux véritables visionnaires sont puissantes et pernicieuses. Nous atteindrons la victoire, quoi qu'il en coûte. Je te promets que ce ne sera pas long. Des forces puissantes et pernicieuses? Ça me plaît pas beaucoup. Faut que je passe voir le doc dès que j'ai un moment. D-30, véhicule blindé attaqué. Intervention immédiate requise. Besoin d'agents sur place à Roswell. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? D'après Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non. C'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par ondes sonores. Dans quelques mois, le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers du globe. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, focus sur les interventions d'urgence d'Oscorp. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Du maire Osborne. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Ou vous aurez plus de sang sur les mains. Thank you.
MJ, je suis en route là. T'es blessé? Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fixes le camp! Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mentale. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien? À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt, fais-moi signe. Ok, je suis prête. Attention! Ok, bouge. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. J'entends vous inichon. Non ! On va tous se détendre. Ding ! Pour un bani et pire. Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborn. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment ? D'abord, lâchez-le. Avance. Ok, pas de problème. Allez, allez! J'y suis presque. Ça y est! Bien joué. Maintenant, faut que tu sors d'ici. Le souffle du diable, alors? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard? Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. Ils sont encore trop proches. Là, ils peuvent encore se voir. Ça a marché. Attaque! Maintenant.
je peux essayer de séparer ce groupe ? Ok, je vais essayer de les séparer. Élimine-le. Angie, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Tu m'as regardé, je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça? Je te fais confiance? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Vas-y. Élimine-le. Chope-le. Il m'empêche de passer. Je suis prêt. Renji, 还戒备着吗?
Lancez le décompte. C'est le moment. Détourneur, attention. Je m'occupe du souffle du diable. T'es sûr de ce que tu fais ? Non. Mais c'est pas ce qui va me freiner. Ok, qu'est-ce que tu vois ? Bon, je vois quatre fils. Il y en a deux bleus, un jaune et un rouge. Remonte à la source des fils ! Il doit y avoir un code couleur qui indique la fonction. Bon, ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Retirer les fils de la batterie. Oh, quelle pagaille! Ok, débrancher les fils de la batterie. Retirer les fils de la batterie. Oh, quelle pagaille! Ok, j'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Le deuxième fil de la batterie. Et après, le ventilo. Oui, et on se... Ok, débrancher les fils de la batterie.
qu'est-ce que tu vois? Bon, je vois quatre fils. Il y en a deux bleus, un jaune et un rouge. Remonte à la source des fils! Il doit y avoir un code couleur qui indique la fonction. Ok, j'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Le deuxième fil de la batterie. Vient de passer à 30 secondes. Ah, c'est un circuit de secours. Et après, le ventilo? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas que tu traînes. Bon, maintenant le rouge. Ça y est. Ça réussit. Oh. Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurai besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt? Ok, je vais libérer le passage. Ça marche. Je dois faire attention ou ils vont s'en prendre aux otages. Pourquoi Martin Lee tient absolument à terroriser New York? Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais qu'on s'était lui. MJ, allez-y! Bien sûr! Suivez-moi! Par ici! Bien que Menzi de! Nasha, tu te chats! MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais! Tout le monde est en lieu sûr! Bien joué! Hey, Peter! Ouais? Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle! Ouais! Ce sera bien!
Mais d'abord, trouve Lee et mets-lui une raclée. Si MJ a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas être à sa place. Là, je me sens pas hyper tranquille. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York ? C'est fou, hein ? On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Ah bah oui, à qui le dites-vous ? On en fait plus des comme ça. C'est que New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Enfin bref. Je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain, mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Lee a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. L'accès au quai est ouvert. Lee doit se trouver par là. Il va m'échapper. Te voilà enfin. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pour régler une vieille dette. Je ferais mieux de rester à distance, ok ? Je vais attendre une meilleure occasion. Vous êtes malade, je peux vous aider, Martin.
pas vous faire de mal. Rien ne peut me faire mal. Plus maintenant. Pas de frein ? Pas de problème. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e ? Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi ? Prochain arrêt, la prison. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant! Vocale de Mary Jane Watson, laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Les textos, ça compte pas ? Non, c'est pas ce que je voulais dire ! Réponds non. Ah, ok, ça va. Eh ben non, ça va pas. Mais à quoi elle veut réfléchir ? Tu crois ? Génial. Vous avez réussi. Lee est en route pour le raft, Sable a le souffle du diable en main. Comment vous vous sentez ? Comment je me sens ? Je vous fais la version longue ? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci, Yuri. J'avais besoin de l'entendre. Pendant que j'étais avec Lee, je me suis pas occupé de la ville. Il est temps de retrouver l'araignée sympa du quartier. Tant que je suis là, je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Thank you.
Ça devrait marcher. On va tester ça. Super. J'ai plus qu'à suivre le signal. Il devrait me mener à ce que Tombstone est en train de déplacer. Tombstone. Ce type est un vrai cauchemar. Peau imperméable et morale inexistante. Du pur plaisir. J'espère qu'il mijoterait une pire que son garage clandestin. Je le perds. Pas par là. C'est art. Le signal est faible. Hey, ça roule. Là, le camion. Alors, on se fait une petite virée ? Non ! C'est Spider-Man ! Appelle les renforts ! Je vais t'éclater ! Après, il est KO ! C'est la dernière fois que tu fous ton nez dans nos affaires ! On aura pas si... Oh, bah, toute la bande est là ! Attention ! Je vais venir ici. Attends ! Viens à moi ! On ne peut pas se faire battre par quelqu'un qui existe encore ! Le gang de bikers, c'est fait. Maintenant, voyons le camion. Ah, des containers chimiques. Mais nettoyés à fond. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'ils pouvaient contenir? Et ce son marque la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute illégal. Et clairement dangereux. Ok. Tout a l'air plus ou moins sous contrôle. Il serait peut-être temps d'envoyer Peter Parker au labo. Elle est bonne.
c'est dodo. Salut! On peut se battre ou... Écoutez ça, on peut se faire un barbecue. Oh, ça se rafraîchit. Je devrais entrer. Allez, trêve de galéjade! MJ, je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons? Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. Roulement d'équipe? Ok, cool, parce que vos collègues là, c'est pas reluisant. Ça, un repère de trafiquants d'armes, à mon avis. Et au risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Nos hipsters assassins vont être déçus. C'est pas que ça me gonfle de vous voir débarquer, c'est que... Ah bah non, attendez. Eh si! Si si, ça me gonfle! Encore des démons! Ça vous dirait pas qu'on mette les choses à plat, qu'on tourne un café? MJ, tu peux appeler la police. Le site est sécurisé. Bien joué. Chaque fois qu'on arrive à retirer des armes de la circulation, c'est une victoire.
chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de bloqueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants. Sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latte. Vous pourriez être la prochaine victime. Ah, mon pote.